Zébulon, où es-tu? Me voici, Tournicotis. Ouf! Ah, quel travail que cette exposition, Tournicotion. Vous avez fait une exposition au bois joli? Eh oui, c'est une idée de Pollux. Une exposition de fleurs? Ah, mais non, Tournicoton. Une exposition de peinture, ouais. Et on attend que toi, pour faire le vernissage. Comme dit Pollux, Tournicotrix. Allons-y, je suis curieuse de voir ça. Un, deux, trois. Oh, voilà Magotte. Bonjour tous. Oh Magotte, ma très chère petite Magotte. C'est toi qui dois couper le ruban de l'exposition. Tu dois être très honorée, hein? Je le serai, moi, tu sais. Mais je le suis, mon Pollux. Et que voilà les ciseaux. Allons-y, allons-y, commençons. Inaugurons. Où est le ruban? Et que les voilà. Tu peux couper, Margot. Insolent. Ne touchez pas à cela. Et que pardon. Oui, alors voilà le ruban, hein. Je pensais bien qu'on l'avait mis par là. Je coupe. Bravo. Aucun ruban ne te résiste. C'est moi. Oui, c'est un peu figuratif. C'est très joli. Le tableau suivant, c'est M. Flappy qui l'a fait. Qui c'est moi? Oui, c'est très très joli. C'est de la peinture alimentaire. C'est très joli. Et que voilà la toile est achalée. C'est très joli. Et que ça représente? Bon, c'est un ver de terre avec des pieds. Oh, une créature filiforme inconnue sur notre planète. Mais non, c'est mon portrait. C'est tout ce que je sais faire. Alors, c'est vous, mais alors quand vous étiez bébé. Hein? C'est de toute façon très joli comme couleur. Et voici mon œuvre. C'est celle que je trouve la plus originale. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je connais cette tête-là. Ça ne m'étonne pas, ma chère. Oui. J'ai dû en donner quelques reproductions pour différents musées. C'est vrai, Pollux? Mais oui, ma Magotte. Et je vais vous confier un secret. On n'a jamais su qui avait servi de modèle à ce portrait, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je le sais. C'est une de mes grand-mères. Parfaitement, oui. C'est un portrait de famille.